Je m'appelle donc Philippe Sorel, je suis gérant d'une société qui s'appelle EFI Connect. Le métier, c'est le conseil auprès des entreprises et des collectivités et le déploiement de solutions audioconférence, webconférence, vidéoconférence, système de webinar, webcast. On a une plateforme de diffusion multicanal. Et on va générer de façon automatique l'envoi de SMS, de fax, de mail, de messages vocaux. Avant de passer sur un ERP, on avait une problématique de briques qui était un peu, qui n'étaient pas du tout reliées les unes entre les autres, différents logiciels qui n'avaient aucun lien. Donc l'objectif c'était de pouvoir créer de la transversalité en fait dans le système d'information et puis d'avoir un socle solide qui soit le socle du développement de l'entreprise dans les 4-5 ans qui viennent. Parce que d'abord, un, c'est dans notre culture, parce qu'aujourd'hui, toutes les solutions que nous on porte sont des solutions SaaS dans le cloud. Et deuxièmement, aujourd'hui, nos collaborateurs sont nomades. Jusqu'à présent, ils avaient beaucoup de difficultés à accéder aux données dans les briques qu'on avait, qui n'étaient déjà pas très fonctionnelles. Donc là, le fait que l'outil soit ça en SaaS, ça permet à l'ensemble des collaborateurs de pouvoir accéder à la même information en temps réel. Et je pense que pour une entreprise de ma taille qui souhaite se développer, c'est un investissement qui est réfléchi, rationnel et assez cohérent. Parce que c'est pas quand l'entreprise en fait s'est développée qu'il faut réfléchir aux process, aux outils, etc. À mon avis, il vaut mieux le concevoir en amont. Et je pense que mon entreprise, donc qui est une PME, est plutôt dans le cœur de cible du type de ERP qui est by design. En mode service, voilà, en mode SaaS. On a gagné à peu près un tiers de notre temps sur la partie facturation de nos clients, qui est un aspect assez complexe de notre métier. Donc ça déjà, c'est un ROI immédiat qu'on mesure depuis déjà 2 mois. Les factures se génèrent de manière automatique, donc moi au quotidien j'ai un gain de temps qui est énorme et que je mesure déjà, ça c'est sûr. Et puis dans l'animation quotidienne et le suivi de l'activité commerciale et le pilotage de l'entreprise, pour moi c'est un réel gain de productivité puisque voilà, en 2 clics je peux suivre la performance des commerciaux. Il faut s'adapter à l'outil, forcément, dans l'approche, dans la façon d'opérer, dans la façon de travailler. Donc ça induit chez nous, en interne, un peu de conduite du changement. J'ai envie de dire que ça a été une formidable opportunité pour rendre l'entreprise, les collaborateurs et la démarche encore plus professionnelles.